Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir tout le monde, bonsoir Michel Touzol. Le 5 sur 5 avec, pour commencer ce soir... Trois hommes et en petite tenue, s'il vous plaît. Pourquoi en rajouter quand la nature vous a déjà tout donné ? Florent Manaudou, Camille Lacour, Fabien Gillot, ouais. En slip de bain au milieu d'une soirée chic, je ça sais... Vous avez l'air consterné, Elisabeth. Oui, je trouve pas bon en slip de bain. Bah oui, attendez, je vous ai déjà passé cette pub surfeur. Pour une marque de compote et je sais à l'époque on n'avait pas compris grand-chose. Pourquoi diable avait-il déboulé en maillot à cette soirée ? Maintenant on sait. Ce soir, nous avons effectivement l'explication, bravo, car oui, Maxime. Il y a une explication à cette scène. Je vous montre ça dans nous un instant. Nous sommes haletants. Mais je sais, je le sais, Patrick. Mais d'abord vous aussi. Vous allez aussi. Totalement. Voilà, ça fait plaisir à voir. Et vous allez adorer, enfin, sujet de fond. Vous allez adorer ce qui suit aussi. D'abord, je peux rendre populaire Hollande. Ah oui. Si je veux, interview de Zlatan Ibrahimovic, Ibrahimovic il est fort. Au journal Le Monde. Je ça peux rendre Hollande populaire si je veux, mais je ne sais pas si j'en ai envie. Interview à prendre sans doute au 14e degré parce qu'on est au-delà de la mégalomanie. Il arrive en une du monde, c'est ça qui est extraordinaire. Mais il a des auteurs, non ? Ibra. Non, mais moi je pense qu'il a des auteurs. Ibra est venu et il a pris le pouvoir en France. Voilà ce qu'il dit, Zlatan, parce qu'il parle évidemment de lui à la troisième personne. On est au-delà du ridicule dans cette interview. Le prix Nobel, il me reste encore du temps pour le remporter. Et on est au-delà du nier aussi, quand Ibrahimovic dit ceci, je suis pour la paix et pour l'amour. C'est Miss France, en fait. Oui, c'est ça. Entre deux la guerre pages et... d'interview dans Le Monde où Zlatan parle de tout, la politique, le dopage, ses cheveux, Bruce Lee. D'après l'un des journalistes qu'il a rencontré pour Le Monde, c'est précisément ça qui lui a plu. On lui a expliqué le concept de l'entretien, ça lui a plu. Ça lui a plu parce que c'était différent. On a parlé de politique, on a parlé de dopage, on a parlé du Qatar, de choses qui fâchent, de sujets un peu sensibles. Il a répondu sans langue de bois, avec beaucoup d'ironie, évidemment. Quand on lui a parlé de Hollande, en anglais, il nous a dit qui le président de la République. Sous-entendu, ça pourrait être l'équipe de football aussi, qui n'est pas présente à l'Euro. Alors, vous l'avez compris dans cette interview, c'est vrai que les pays Zlatan passent, voilà. Fait du Zlatan. Un gros coup de com' pour le lancement aujourd'hui même à Paris de sa marque de vêtements AZ. Un coup de com' réussi. Pour le pape français de la pub. Moi, j'ai adoré cette interview parce qu'il est fondateur de l'après-Zlatan. Lui, il y rappe et il dit « Je pourrais rendre Hollande populaire ». On se calme, Zlatan, on se calme. Est-ce qu'il ferait un bon directeur de communication ou un bon communicant pour François Hollande ? Non, il est beaucoup trop tranché, il est beaucoup trop vif, il est beaucoup trop sectaire, il est beaucoup trop cinglant. Par contre, se montrer à ses côtés... C'est ce qui m'est arrivé le mieux à Hollande. Il devrait venir dans la pub. En tout cas, il a sa place ici. Il est meilleur communicant que moi. En voilà une idée qu'elle est bonne. Zlatan à la place de Seguela, Pierre. Vous voulez dire qu'il lance sa marque de vêtements aujourd'hui et ça fait la une du monde. Oui, ouais. Absolument. Ouais, absolument. Bravo, les gars. Jacques Seguela a adoré l'interview. En revanche, je vous présente Johanna Franden, qui a rencontré notre reporter Arthur Charron. Elle est journaliste suédoise. Elle suit Zlatan Ibrahimovic depuis des années. Et elle en a ras la casquette de Zlatanerie. Moi, personnellement, je commence à en avoir un peu marre. On peut aussi quitter un pays au bout de 4 ans avec un tout petit peu d'humilité. Bon, c'est pas son truc. Avec Zlatan, tout commence à être un peu, on va dire, prémédité, un peu pensé à l'avance. C'est presque comme il avait déjà décidé de... ou il avait déjà pensé à ses petites phrases. C'est plus très spontané, je trouve. Ça, on est d'accord, Michel Pouzol. Vous êtes client ou pas de Zlatan Ibrahimovic ? Honnêtement, oui. Je suis vraiment plus rugby. Ah oui, d'accord, on a tapé c'est de vrai. Côté. Et on vous voit jouer d'ailleurs dans le documentaire. Vous avez une Coupe d'Europe de foot qui oui, compte. Oui, non, mais d'accord. Mais les valeurs du rugby, c'est ça. Enfin, on peut essayer s'il peut nous donner un coup de main. Y compris pour 2017, rendre populaire François Hollande. Toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Ah oui. Hein. Voilà, le message est passé. J'ai un tweet à vous montrer ce soir. Un tweet inattendu d'Alain Juppé. Un très bon ramadan à mes frères et sœurs en islam. Que la paix d'Allah soit sur vous. Tweet qui a commencé à circuler dans la nuit de dimanche à lundi, à la veille du début du ramadan. Sauf qu'évidemment, c'est un faux, une usurpation. Alain Juppé a décidé de porter plainte. Je vous confirme que je suis toujours catholique, même si je ne suis pas très pratiquant, dit-il. Alors, qui est l'auteur de ce faux ? Plusieurs sites, comme BuzzFeed, sont remontés à un certain Candide, un lycéen de 17 ans qui a déjà commis ce genre de détournement, lui parle d'une blague et il répond sur Twitter au maire de Bordeaux. Si Alain Juppé croit que la prison me fait peur, j'ai passé 3 ans à l'internat. Mec, voilà ce qu'il dit sur Twitter. Elle vous fait rire cette blague, ouais, M. Cousin. C'est la réponse. Et qu'Alain Juppé porte plainte ?
écoutez, c'est des sujets tellement sensibles aujourd'hui qu'effectivement... C'est ce qu'il dit. Oui, c'est une réalité. Alors qu'il porte plainte, je ne sais pas si ça veut ou une plainte, mais les sujets sont tellement sensibles que la blague n'est pas de super très bon goût, mais enfin, bon, il n'y a pas non plus... Alors, puisqu'on parle d'humour et de politique, nous avons ce soir le lauréat 2016 du prix Humour et Politique. Ça n'est pas vous. Non. Le vainqueur est, attention, roulement de tambour... Bruno Le Maire, pour cette phrase tirée d'une interview au Point, mon intelligence est un obstacle. Ah oui, bravo. Sous-entendu, bravo, un obstacle à ma carrière. Sauf qu'il l'a dit au premier C'est Zlatan qui lui a soufflé, non ? Le problème, c'est qu'il l'a regretté après. Mais ça nous a fait rire quand fois, même. Mais il ne l'a pas dit. Non, c'était pas une blague. Ouais. C'était pas une blague. Il avait dit aussi ceci au Parisien, Bruno Le Maire : je suis dans une démarche d'humilité. Il est plus humble que mégalo, Bruno Le Maire ? Non, là, franchement, bah, je trouve que ça lui correspond très bien. Donc, non, c'est. Il mérite son prix. Il mérite son prix. Ça lui en fera un. Dans le 5 sur 5 de ce soir, 450 000 euros. La Société Générale est condamnée à verser 450 000 euros à cet homme, Jérôme Kerviel. Oui, vous m'avez bien entendu, l'ancien trader a déjà été condamné pour avoir fait perdre près de 5 milliards à la banque. Oui, mais Jérôme Kerviel n'a jamais accepté cette condamnation. Alors il a décidé de porter l'affaire en parallèle devant les prud'hommes. Le jugement est tombé ce midi et pour les prud'hommes, la Société Générale connaissait parfaitement les risques que prenait Jérôme Kerviel sur les marchés. La banque n'aurait donc jamais dû le licencier. La Société Générale fait appel évidemment de ses 450 000 euros d'indemnité, mais Jérôme Kerviel, lui... Il tweet, merci à mes avocats, il les cite, le combat continue encore et toujours, hashtag increvable. Est-ce que vous comprenez encore quelque chose à cette affaire ? Ça fait un moment qu'on n'y comprend plus grand-chose, mais c'est surtout l'exemple délirant des dérives de la finance. Voilà, et il faut réglementer, il faut réguler ce système-là. C'est pas possible, parce qu'à l'arrivée, c'est quand même beaucoup les Français qui payent ce genre de choses. Ce genre de catastrophe, donc il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que pour vous, la culpabilité de Kerviel au final... Je ne connais pas assez le sujet là-dessus, mais j'ai du mal à croire que la dimension de ce qu'il a fait à ce moment-là, il l'ait fait sans aucun garde-fou. Ça serait la première fois où ces grands groupes... Ça serait la première fois où ces grands groupes laissent quelqu'un comme ça jouer avec des milliards sans y regarder. Il a été condamné pour faux, usage de faux, trois fois. Ouais. Trois fois. Les faux, usage de faux, alors voilà. Donc ça... Faux usage de faux. Et d'ailleurs, dans les premiers procès, il avait reconnu qu'il avait fait des faux. Voilà. Je vous dis, je ne connais pas assez le sujet, mais voilà. Je suis très, très, très circonspect sur les relations qu'ont ces gens-là avec leur propre hiérarchie. Dans trois jours, je change de sujet. Vous le savez, la France va s'arrêter de vivre. Début de l'euro. France-Roumanie vendredi soir. On a ce soir l'hymne officieux de cet euro. J'ai bien dit officieux. Voilà. Hymne écrit, oui, par l'Hollywood. Vous les connaissez ou pas ? Non. Non. La chanson s'appelle « Je préfère te prévenir ». Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui, on est le 10 juin et l'euro, c'est parti, je préfère te prévenir. Tu vas sûrement te dire, c'est qu'un match, ça va, mais remballe ton sourire, car l'euro dure un mois. On va plus sortir, on va plus sortir, je préfère te prévenir. Monsieur prévient madame qu'elle ne le verra pas pendant un mois. Je vais me nourrir à la bière, seul ou avec tous mes amis. Je vais me nourrir à la bière, dès midi et aux chips aussi. Je vais devenir lourd, je regarderai plus tes fesses. On fera même plus l'amour, je penserai qu'à Pierre Ménès. Je préfère te prévenir. Évidemment, à la fin, madame lui répond. Ah oui, c'est chic. Tu comprends bien, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir enfin m'éclater toutes les nuits. Attends-toi au pire. Je vais me faire offrir des shots de tequila. Ils n'auront qu'à me dire, ça te dit, on va chez moi. Je vais peut-être enfin jouir, je vais peut-être enfin jouir. Je préfère te prévenir. Je préfère te prévenir. Qui a eu cette idée ? Bonsoir Laura Domange. Bonsoir. Et bonsoir Hugo Marchand. Bonsoir. C'est vous qu'on voit dans ce clip, tous les deux ? C'est autobiographique ? Pas du tout. Presque. Enfin, presque. Prémonitoire ? Oui, prémonitoire. Non, c'est vrai que c'était un quart de finale de Ligue des Champions. Paris venait de se faire sortir par Manchester City. Je rentrais chez moi. J'étais dépité. Ma copine m'a dit...
C'est pas grave, c'est que du foot. Wow. Et du coup, avec les copains, on a décidé d'écrire une chanson et puis voilà. Mais alors Laura, pourquoi vous n'aimez pas le foot? C'est compréhensible. Bah je sais pas, il faudrait demander, je sais pas à qui d'ailleurs. J'aime pas le foot. Comment on fait pour... Vous n'êtes pas seul, il y a une part de la population, et sans doute parmi les gens qui nous regardent ce soir aussi, qui... Oui, j'espère qu'il y a des gens c'est à vous qui va nous permettre une contre-programmation. Absolument, effectivement, de regarder c'est à vous. N'hésitez pas. C'est prévu, mais comment on fait pour vous réconcilier? Avec le foot? Oui, ou entre vous deux, entre guillemets, dans le clip. On a l'air d'aller, non? Vos questions sont bizarres, quand même. Pourquoi elles sont bizarres? On veut savoir. Tu as deux minutes, Laura. Réponds. On veut savoir. C'est une fiction, hein. Voilà, c'est tout. C'est une fiction, oui, évidemment. T'es tout rouge. Et toi, comment tu vas faire pendant l'Euro? Mais je ne sais pas. C'est pas a du mal à distinguer la réalité de la fiction. Non, c'est juste que j'ai quatre personnes ici et une cinquième ici. C'est très, très compliqué. Qu'est-ce qu'il dit, Régis? Mais je ne sais pas. Régis, qu'est-ce que vous me dites dans l'oreille? Qu'est-ce que vous faites le soir de demain? C'est vendredi soir le début. Ah voilà, c'est mieux. Je vais faire une soirée avec des copines. Ah voilà. Et vous serez forcément devant le match. Voilà. Vous êtes rentré dans votre personnage. Stade, effectivement, et avec mes potes je pense que tous mes potes de l'Hollywood seront devant le match et penseront un peu à ce clip en buvant des bières. C'est la première fois que vous écrivez une chanson comme ça, une parodie, ou c'est une habitude? C'est pas une habitude, mais en fait, voilà, on a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Hollywood qu'on a montée entre potes de fac. On s'est tous rencontrés à la fac il y a 10 ans. Et on a lancé il y a 8 mois cette chaîne sur YouTube, l'Hollywood, donc qui est aussi produite par D17, qui nous diffuse sur leur chaîne. Voilà, comme on produit aussi des vidéos. Et on a écrit et produit et sorti déjà 2 clips cette année. On en avait déjà fait auparavant sur d'autres chaînes, sur d'autres projets. Et celui-là, il a tout de suite marqué les esprits, il a tout de suite marché fort. A priori, plutôt. Ouais, ça fonctionne, la preuve. Voilà. J'ai encore juste une question bizarre, je suis désolé, parce que vous en parlez dans le clip. Qu'est-ce que vous dites dans l'oreillette exactement? Non, là, rien du tout, parce que là, non. Le sexe pendant l'Euro? Ah, c'est toi tout seul qui va là-dessus? Ah, non, bah oui, on reconnaît la patte Switek à la fin. Le sexe pendant l'Euro? Oui, c'est son... C'est de la fiction, on voit. Oui, mais bon. Il a pas envie de parler de sa vie. Ça dépend si la France gagne. Ah, bah voilà. Il a essayé de toucher un maximum de Français, voilà. Seulement merci. Si la France gagne. Allez, oui. Merci. C'est bon, il ne faut pas y avoir de baby-boom. Allez, bon Euro. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, j'ai un dernier petit cadeau, en fait, pour Anne-Sophie. Oh, voilà. C'est gentil. Vous pouvez le partager. On voit toujours dans la même coupe. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, en tout cas, on est content que ça... Superbe. Magnifique. Et j'enchaîne parce que je sais que vous trépignez, Anne-Sophie et Patrick aussi. La pub pour la compote, on y revient. Bien ramé. Pourquoi nos trois... Pourquoi nos trois amis nageurs ont-ils débarqué qui en slip dans cette soirée? Cette pub n'avait aucun sens, sauf que la marque de compote vient de diffuser une petite vidéo pour expliquer ce qu'il s'était passé avant la vidéo que vous avez vue. Florent Manodou, Camille Lacour, Fabien Gillot, c'est à vous. C'est pas... À une soirée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ça va, mon petit mémé d'amour? Moi, j'ai bien dormi, cousin. Mais t'es qui, toi? Bah, je suis la femme de mon cucu d'amour. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, oui. Mais non, tout va pas bien. En plus, on a le gala. Mais ils sont où, nos costumes? Non, tout va bien. Tout va bien. Le remake de Véry Patrick, on ne pouvait pas passer à côté, Anne-Elisabeth. Ils sont acteurs. Hein. Oui. Il y a clairement très bons du talent, il y a du potentiel. Il y a du gros talent et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer la vidéo ce soir. Merci beaucoup, Maxime. Bravo, Max. Voilà, quand bravo. On percevra, tu leur demanderas si la réalité, ça leur est arrivé. Vraiment. Oui. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci également à vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Et merci Michel Pouzol. Je rappelle Michel du RMI à l'Assemblée nationale, c'est ce soir à 23h20 sur France 2. Et sur France 5, un peu plus tôt ce soir, vous avez rendez-vous avec Michel Simès et Marina Carrère-Dancos pour Enquête de santé. Bonsoir Michel. Bonsoir. D'abord juste des félicitations à votre duo là, avec l'hymne de l'Euro 2016 que j'ai retweeté ce matin. Je me suis éclaté en le regardant ce matin. Voilà. Super. Et ce soir, Michel, vous allez nous apprendre des gestes qui sauvent. Oui, parce qu'on va parler des accidents vasculaires cérébraux. Un accident vasculaire cérébral toutes les 4 minutes dans notre pays. Si je vous demande les signes d'un arrêt cardiaque, vous êtes capable de me le dire. Si je vous demande de me citer les quelques symptômes qui peuvent laisser penser qu'on fait un accident vasculaire cérébral, c'est déjà beaucoup plus compliqué. 70% des Français sont incapables de citer ces symptômes et pourtant on n'a que 4h30 au maximum après les premiers symptômes pour mettre en route le traitement qui pourra éviter les séquelles. On parlera de tout ça ce soir dans Enquête de santé. Merci beaucoup Michel. Et donc Enquête de santé, c'est ce soir.